Plusieurs fois reportée, l'élection du nouveau maire de la commune d'Aplaoué vient une fois encore d'échouer. La situation qui perdure depuis la suspension en mars 2018 de l'ancien maire Casmé Kokou est un casse-tête pour le chargé de mission du préfet du Koufo, diligenté pour suivre le processus électoral. Les conseils ne nous ont pas permis de faire appliquer les tests. L'installation du président même a été rendue impossible. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous avons suspendu. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le code en vigueur en République du Bénin actuellement, en son article 189, dispose, en son alinéa 2, que le candidat au poste du maire ou d'agent au maire est présenté par le parti majoritaire. C'est ce qui fait la forme de discorde au sein des conseils communaux de la Plaquée. Ainsi donc, l'installation du présidium a échoué. Le désaccord entre les conseillers de l'Union fait la nation, partie majoritaire de ce conseil communal, a donné naissance à deux camps. Deux camps qui désormais se regardent en chien de faïence. C'est simplement une question préjudicielle que les conseillers d'en face ont mis sur la table. Ils ont parlé de suspension jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu deux huissiers dans la salle qui ont tout constaté. Nous sommes des procéduriers, nous ferons les procédures jusqu'au bout. Le groupuscule qui a divorcé, qui a quitté l'UN, nous dit maintenant que lui a un autre candidat. Mais qui est le chef de parti de ce groupuscule UN qui se trouve ailleurs, on ne sait pas. On leur a demandé le mandat, la correspondance qui désigne celui pour qui on doit voter comme maire, ils n'en ont pas. Or, nous, on en a. Voilà le débat. Une élection rendue également tendue par la présence de manifestants contenus par la police républicaine. Vu cet énième échec, le chargé de mission du préfet du Koufo, soucieux du respect de la décision de la Cour, a invité tous les conseillers à revenir à de meilleurs sentiments pour une élection apaisée.